الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Adieu Ramadan. Aujourd'hui est le dernier vendredi du mois de Ramadan. Le temps est précieux. Ce qui est passé ne retourne pas. En réalité, l'enfant d'Adam n'est que des jours. Lorsqu'un jour passe, c'est en fait une partie de lui qui part. Le temps est venu de dire adieu au mois béni de Ramadan avec ses délicieuses journées et ses nuits parfumées. Il est raisonnable de pleurer la fin du mois de Ramadan, le mois des bienfaits et de bénédictions qui contient des opportunités exceptionnelles pour que le serviteur d'Allah revienne à son Seigneur, exalté soit-il, puisque les portes du paradis sont ouvertes. Les diables y sont enchaînés et les portes de l'enfer sont fermées. Il est convenable que les pieux qui ont veillé les nuits en toute sincérité, qui ont goûté la jouissance de l'obéissance, ceux qui ont coupé le contact avec ce bas monde pour une obéissance pure et sincère à notre Seigneur, vont pleurer la fin de ce mois béni. Ceux qui ont tiré bénéfice du Ramadan, ce sont ceux qui ont jeûné véritablement, ceux qui veillent les nuits pour les prières avec toute sincérité, ceux qui invoquent Allah en toute humilité et recueillement et avec discrétion, ceux qui ont lu le Coran durant le mois de Ramadan. Leurs invocations étaient « Ô Allah, garde-moi sain et sauf pour le mois de Ramadan. Fais que le mois de Ramadan soit sain et sauf pour moi et protège-moi des péchés durant ce mois afin que mes actes d'adoration soient acceptés. » Ibn Dinar, radiallahu anhu, a dit « Craindre qu'une action ne soit pas acceptée est encore plus difficile que l'action en elle-même. » En effet, les actes d'un musulman ne s'arrêtent pas avec la fin du mois de Ramadan, mais plutôt ils continuent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'action la plus aimée d'Allah est l'action la plus régulière et la plus constante, même si elle est minime. Et la pratique religieuse la plus aimée du prophète alayhi sallatu wassalam est celle que le fidèle fait de façon constante, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Ceux qui abandonnent les mosquées à la fin de Ramadan connaissent Allah azawajal que pendant le mois de Ramadan. Celui qui adore le Ramadan, qu'il sache que le Ramadan s'en est allé. Et celui qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah est le vivant, celui qui ne meurt jamais. Le Dieu du Ramadan est celui de toute l'année. Les mosquées du Ramadan, ce sont celles de toute l'année. » Al-Hassan, radiallahu anhu, a dit « Allah ne met pas un terme à nos actions que jusqu'à notre mort. » Allah le Très-Haut a dit « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude, la mort. » Le Ramadan est une véritable école qui nous aide à changer notre quotidien, corriger nos habitudes et perfectionner nos comportements. Qu'Allah nous fasse parvenir jusqu'au prochain Ramadan, qu'il soit meilleur que le précédent et qu'il nous permette de garder cette lumière dans nos cœurs. Ô Allah, mets-nous parmi ceux qui écoutent la parole et suivent les meilleurs d'entre elles et fais de nous tes bons adorateurs par ta miséricorde. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.